رامي ربيعة استلام من رامي أي حاجة كده يا رامي دي أي حاجة تتقطع لروماريك إيتو طويلة في مساحة ناحية اليمين رامي ربيعة استلام من رامي أي حاجة كده يا رامي دي أي حاجة تتقطع لروماريك إيتو طويلة في مساحة ناحية اليمين شرحية للأمام مش عايز يحمله المسؤولية لكن ادي الكوره اشتغل بادي الطرف اللي هناك اللي بتكلم عليه بص جاي هناك فاضي الطرف اللي اتكلمنا عليه الطرف الشمال بيجي لوحده خالص اهو لوحده خالص هي كانت بعيد عن الحاضر عشان بدا الاستعجال يبان مش عايزين استعجال برضه حلوه لصلاح صلاح عايز يلم كورته ويعدي لكن يضغط عليه حط جسمه حلو جدا 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 ورمي التماس لصالح الكونغو من ناحيه يمين روماريك إيتو اللي في الصوره ده بيستميتوا على كل كوره رامي ربيعه استلام من رامي اي حاجه كده يا رامي دي اي حاجه تتقطع لروماريك إيتو طويله في مساحه ناحيه اليمين يجري بيها صالح جمعه بيدور على التسقيطه يا ولد يا لعيب خش لكن يا سلام روماريك إيتو الباك اليمين دخل وطلعها بره تبقى ضربه ركنيه لمنتخبنا من ناحيه اليمين بدا صالح جمعه يشتغل يا ولد يا لعيب تسقيطه حلوه قوي 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 لكن روماريك دخل في الوقت المناسب وتبقى ضربه ركنيه بص اللمسه ايوه كده صالح كان بادي محطوط شويه لكن بدا سامي ربيعه كوكا يطلعها لصلاح عايز ينطلق صلاح من ناحيه اليمين مضغوط عليه بفاول على صلاح وضربه حره مباشره لصالح الكونغو من ناحيه اليمين صلاح بيقول انا ما عملتلوش حاجه لكن من عندي هنا اعتقد ان هو شده لا ده الراجل هو اللي حاطط دراعه ضربه حره Yes. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Connectez-vous. C'est calme, c'est très calme. Connectez-vous à 25 personnes en live. J'appelle notre invité à 25 personnes. Sinon, non, on reste comme ça. Et après, on coupe aussi, tout le monde repart au lit. Donc, partagez. Faites passer le message à tous vos voisins, à 25 personnes en live, Makamwe Bandi. Donc voilà. Donc bonsoir à tous. Bonsoir Doha. Bonsoir Paris. Bonsoir Brazza. Bonsoir Pointe-Noire. Bonsoir la capitale de la Géorgie, là je ne me rappelle plus. Hein. Romary qui va nous aider. Bonsoir Châteauroux. Il y a Châteauroux qui est connecté aussi. Bonsoir Châteauroux. Bonsoir Argenteuil, bonsoir où encore, bonsoir, comment il s'appelle cette ville, Dammartin-en-Gouël, bonsoir la Nouvelle-Guinée, oh ah bon, Yann Sidney, 22, on continue, faut que ça grimpe, bonsoir la Serbie, bonsoir, je sais qu'on nous regarde aussi depuis Razgrad. Bonsoir la Bulgarie, bonsoir Pointe-Noire, le gars qui arrive là, c'est un mec de Pointe-Noire en plus. Bonsoir Pointe-Noire, encore trois personnes en attaque, direct. Bonsoir Évry, c'est le sang. Bonsoir Roissy-en-Brie, bonsoir Les Roses, bonsoir où encore vous nous écrivez d'où, vous êtes connecté d'où. Encore deux personnes en attaque direct. Bonsoir Ankara. Bonsoir Istanbul. Je vois Istanbul aussi connecté. Bonsoir Canal+. Bonsoir Canal+. Bonsoir à tous. Connectez-vous. J'attends.
Moi, je voyais, chez nous, c'est affiché 20. Avec les gens de YouTube cachés. 20. Bonsoir, la Vendée. La Vendée, elle écrit que sur WhatsApp. La Vendée n'écrit que sur WhatsApp. Elle écrit jamais dans les commentaires. Yes, attache-toi déjà parce que le décollage, il est imminent. Ça va péter, ça va péter. Bonsoir, Dreux. Dreux, le 28, c'est les voisins, c'est pareil. Comment ça va, Dreux? Vos journées, ça a été comment? Qu'est-ce que vous racontez? L'interview avec Coach Eli, vous l'avez trouvé comment? On me fait du bruit sur ça. Moi, je suis innocent, hein, j'ai rien fait. Ok. Ce soir, je suis avec mes gars. Aujourd'hui, ils seront cachés. On nous écrit même depuis le Brésil, Romaric. Ok, ce soir, les mecs cachés, ça sera Sire. On voit que son crâne, donc il ne va pas rester trop longtemps. Sire, viens dire bonjour, après tu repars dans ta chambre, s'il te plaît. Vite. Dis bonjour au tonton au salon. Allez, repars. Voilà. Tito, il est là ou pas? Tito, lui, il est puni depuis longtemps, il est allé au lit. Ah. Tu dis bonjour, tu vas faire pipi, après tu te brosses les dents et tu vas dormir. Allez, vite. Salut, salut. Tito, dis bonjour. Salut, salut à tous. Allez, va faire pipi au lit, allez. Voilà. Et ce soir, on l'accueille, je veux un maximum de drapeaux, un maximum de cœurs, de j'aime, de likes pour Romaric. Romaric, comment tu vas, Romaric? Bonsoir, j'arrive. Non, je vais bien, toi. Comment va, Rom? Non, tranquille, hein. Ça va, ça va, ça va. Je vois, t'es affûté, t'es en muscle, t'es en forme, t'es prêt. Ouais, il y a la forme. On va essayer. Non. Cœur sans haine. Toujours cœur sans haine. Mais toujours. Mais en plus, c'est que Romaric, t'étais très demandé, très attendu. Hein. Tu t'exprimes pas beaucoup. Donc là, c'est la partie, quand je remercie la personne d'être venue, c'est la partie où le courant, il coupe. J'espère que chez toi, l'électricité, c'est stable, il y a stabilisateur, il y a tout ce qu'il faut. Donc Romaric... On ne sait jamais. Tout est possible. Donc Romaric, en tout cas, merci, merci beaucoup d'être venu. Tu t'exprimes peu, tu t'exprimes rarement. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, en tout cas, ça me touche. De rien. Cœur sans haine, toujours. De rien. Alors, de rien. Comment... Toujours. Ça va se passer en combien de parties aujourd'hui? Ça va se passer en un contre un. On va discuter avec Romaric tranquillement. Et à la fin, on va laisser, si y a des gens intéressés pour poser des questions, vous poserez toutes vos questions. Donc voilà. Ne chahutez pas trop. Comme j'ai dit, c'est des joueurs encore en activité. J'aime bien faire les différences entre les joueurs à la retraite et les joueurs en activité. Romaric. Comment tu vas, Romaric? Ouais, j'arrive. Non, sur micro, comme là, je ne joue pas très bien. Pas l'air de okay. Il est quelle heure en Géorgie, un peu, là? 23h36. Ah, donc on ne va pas te garder trop longtemps. Demain, c'est quoi le programme? Match, entraînement, c'est quoi? Demain, il y a entraînement à 14h. Donc, au moins, okay. si ça peut durer une heure, c'est bon pour moi. Oui. Et le match 2 de... Je ne veux pas trop t'embêter. Je t'ai promis que je ne t'embêtais pas aujourd'hui. Je t'ai promis. Hein. Si on t'embête là, c'est dans les commentaires en dessous. Moi, là, je ne veux pas. Ça marche. Et tu as le bonsoir. On t'appelle ma Léo de Diable Noir. Et hier, le match en coupe, comment il s'est passé, Romaric? Ah. Hier, on a gagné au tir au but. Au départ, quand on prépare le match samedi du championnat, et au départ, le coach nous a dit, bon, au moins 5-4 que vous serez au but touche. Genre, pour préparer, comme on joue contre un club de 3e division, je pense. Et du coup, on a fait venir nos jeunes pour jouer. Ok. Et arrivé, Romaric, c'est parfois bizarre là.
Et à la mi-temps, on était toujours à 0-0. Et le coach était obligé de nous faire entrer. On a joué toujours 0-0, ça coinçait un peu là, des prolongations, et au final, on a gagné au tir au but. Et remarque qu'en plus, je parle de jeunes. C'est un peu ça. On rappelle que tu joues au FC Dila, c'est en Géorgie. Et il y a des Congolais aussi qui t'ont rejoint. Il y a Junior Tchibota et j'oublie tout le temps son nom. Comment il s'appelle? Le deuxième qui t'a rejoint. Il y a Junior et. Ismaël, un jeune frère. Ouais. Eux, comment il se passe leur intégration? Tu les vois comment? Tout le temps, tous Ismaël, les jours? en Kobo. Ouais, en Kobo, c'est ça. Et leur intégration, elle se passe comment? Ouais, ça se passe très bien. Il y a Junior dans l'équipe réserve. Dans l'équipe réserve. Et en Kobo. Mais le problème, c'est qu'il s'est fait mal à l'entraînement. Il est un peu blessé. Donc, il est un petit peu. Mais sinon, ça Ok, se ok. passe bien. Ok. Et le championnat géorgien, c'est un championnat, il est méconnu du public, on ne connaît pas trop. Le niveau du championnat de Géorgie, toi, tu le mettrais, tu le juges comment? Pour être véridique, on ne peut pas comparer le championnat géorgien avec le championnat français, espagnol, mais c'est un bon championnat. Dommage que chez nous, on n'a pas peut-être des canaux pour suivre les matchs en direct. C'est un peu comme la Hongrie, genre Suède, tous ces pays-là. Le deuxième zone-là, c'est un peu difficile pour le Congo, donc c'est pour cela que de Congolais. Mais sinon, le championnat, puisqu'on a déjà, ici, on a un club qui a déjà remporté la Ligue des champions, le Dynamo Tbilissi. Donc, après, on en France. Donc, un championnat qui est bien, un peu physique. Bon, pas un peu physique, physique. Donc, voilà pourquoi faut pas jeter les paquets, on ne sait jamais. Mais sinon, le niveau du championnat est bon. En plus, je me disais à l'époque aussi que au niveau de la préparation physique, c'était assez compliqué, c'était dur là-bas. C'est vraiment un système de soviète. Et toi, ton adaptation là-bas, c'est passé Trop dur comment? même. Soviète. Tu vois, bon, au début, j'avais un peu du mal. Au début, j'avais un peu du mal. Au début, j'avais un peu du mal à m'adapter, à suivre un peu le rythme. Tu vois, ici, c'est Ouais. à peu près des systèmes, le système russe. Donc, c'est un peu, tu vois, la bataille, la force. Donc, ça peut même tuer dans une militaire. Donc, après, avec le temps, je suis adapté. Et ça devient mon quotidien, les entraînements, tout ça. Ok, et parle-nous de ton début de saison, comment ça se passe, le club au niveau du classement, toi tes perfs, comment tu te sens? Non, au début, c'était un compliqué pour moi. Et je suis parti en vacances, on a changé d'entraîneur. L'entraîneur qui est arrivé, c'est un ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Il arrive, il dit, donne un délai. Je veux retrouver des joueurs à partir du 5 janvier. 5 janvier 2021. Je vois tous les gens. Et moi, j'avais que j'étais en restaurant pour des problèmes personnels, le mariage, tout. Donc, je suis arrivé avec un retard. Du coup, il avait déjà constituer une équipe. Donc, il n'est pas parti de ses premiers choix. Arrivé, ils sont partis en Turquie, la préparation, on a joué des matchs amicaux, rentré toujours en deuxième période, genre dans une deuxième équipe. Et on a commencé le championnat comme ça. Deux matchs du championnat, les deux premiers matchs, j'étais au banc de touche. J'ai pas joué. Le deuxième, je suis rentré. Peut-être à 10 minutes de la fin, 10-15 minutes de la fin. Et à partir du quatrième match, titularisé et de plus, je ne suis plus sorti hors du départ. Ouais, Romaric,
Là, on reçoit des messages. Apparemment, ta connexion, elle bug un peu. Comme d'hab, hein, je connais. Romaric, est-ce qu'on peut faire un essai pendant quelques secondes? Tu fermes l'application et tu la relances. Comme ça, on essaye de voir si c'est un peu mieux. C'est bon ou pas? Comme ça, en attendant, on publie 2-3 vidéos de ton match contre l'Égypte. Et après, on va un peu parler, on va attaquer un peu le vif du sujet. Donc, est-ce que tu peux te déconnecter, tu fermes et tu réouvres l'appli, le temps de voir si les problèmes de connexion ils se règlent ou pas, s'il te plaît, Romaric. Ok, je me déconnecte. Ouais. Sire, on voit 2-3 vidéos qu'on règle les soucis de connexion. لكن ادي الكوره اشتغل بادي الطرف اللي هناك اللي بتكلم عليه بص جاي هناك فاضي فاضي الطرف اللي اتكلمنا عليه الطرف اللي اتكلمنا عليه الطرف الشمال الطرف الشمال بيجي لوحده خالص اهو لوحده خالص 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 هي كانت بعيد عن الحاضر عشان استعجال يبان مش عايزين استعجال برضه حلوه لصلاح صلاح عايز يلم كورته ويعدي لكن يضغط عليه حط جسمه حلو جدا 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 ورمي التماس لصالح الكونغو من ناحيه يمين روماريك اتو اللي في الصوره ده بيستميتوا على كل كوره بيستميتوا على كل كلام من رامي اي حاجه كده يا رامي دي اي حاجه تتقطع لروماريك اتو طويله في مساحه ناحيه اليمين يا صالح جمعة بيدور على التصعيدة يا ولد يا لعيب خش 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 لكن يا سلام روماريك اتو الباك اليمين دخل وطلعها بره تبقى ضربة ركنية لمنتخبنا من ناحية اليمين بدأ صالح جمعة يشتغل يا ولد يا لعيب تصعيدة حلوة قوي 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 لكن روماريك دخل في الوقت المناسب وتبقى ضربة ركنية بص اللمس ايوه كده ايوه كده صالح كان بادي محطوط شوية لكن بدأ كوكا يطلعها لصلاح عايز ينطلق صلاح من ناحيه اليمين مضغوط عليه بفاول على صلاح وضربه حره مباشره لصالح الكونغو من ناحيه اليمين صلاح بيقول انا ما عملتلوش حاجه لكن من عندي هنا اعتقد ان هو شده لا ده الراجل اللي هو اللي حاطط دراعه الراجل هو اللي حاطط دراعه ضربه حره شرحيه للامام مش عايز احمله المسؤوليه لكن ادي الكوره اشتغل بادي الطرف اللي هناك اللي بتكلم عليه بص جاي هناك فاضي فاضي الطرف اللي اتكلمنا عليه الطرف اللي اتكلمنا عليه الطرف الشمال الطرف الشمال بيجي لوحده خالص اهو لوحده خالص 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 هي كانت بعيد عن الحاضر عشان استعجال يبان مش عايزين استعجال برضه حلوه لصلاح صلاح عايز يلم كورته ويعدي لكن يضغط عليه حط جسمه حلو جدا 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 ورمي التماس لصالح الكونغو من ناحيه يمين روماريك اتو اللي في الصوره ده بيستميتوا على كل كوره بيستميتوا على كل Yes, on est de retour. On est de retour. Les soucis de Romaric, Sir, c'est comment? Ça va mieux ou pas? Tito, sors de ta chambre, Tito, sors de ta chambre, Tito. Ah ouais, voilà, sortez de vos chambres. La connexion de Romaric là, je vais même étouffer. Non, il est de retour. C'est bon, repartez au lit. Arrêtez de regarder derrière les murs. Hein. Romaric, c'est mieux là. Et tu arrives là, c'est bon. Ouais, là, ça va, c'est mieux quand même. Là, c'est bon. Ouais. Ouais. Dans les commentaires, c'est mieux là ou pas? Ok, donc je disais, le début de saison un peu compliqué, les deux premiers matchs sur le banc, là maintenant tu es titulaire assez régulièrement. Vous jouez. C'est un peu compliqué. Ok, et vous jouez dans une défense à 3 toujours? Vous jouez dans une défense à 3 toujours? Non, non. Il y a des matchs, on joue à une défense à 3 et... D'autres matchs, une défense à 4. Ok. Et quand vous jouez à 4, quel est ton poste, Romaric? En fait, c'est quoi ton vrai poste? C'est la question aussi qu'on se pose tous. Quel est le vrai poste de Romaric? Gauche, droite, dans l'axe, piston, droit. Quel est ton poste? Quel est le poste que tu préfères? Quel est le poste où tu es le plus à l'aise?
Ah, c'est un peu compliqué. Bon, le poste que je préfère, je peux dire arrière, mais gauche ou droite. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais sauf que là, je m'adapte aussi dans l'axe. Et ceci est bien pour moi. Il y a des matchs que je joue dans l'axe, dans une défense à 4. Je joue dans l'axe. Ok. Donc Je te sais pas pour t'embêter, t'es pas très grand. Et jouer dans l'axe avec ta taille dans une défense à 4, ça t'handicape pas, toi. non. Au fait, tout se passe dans la tête. Moi, aujourd'hui, tu es dans le milieu du sport. Tu sais comment ça se passe. Et tu sais, par exemple, de nos jours aujourd'hui, dans le marché du football, si un poste qui est difficile, c'est-à-dire avant un joueur surtout venant de l'Afrique, c'est le poste d'arrière droit ou d'arrière gauche. C'est difficile. Il y a le poste d'arrière et le gardien de but. C'est trop difficile dans les marchés. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas ajouter un autre poste? Peut-être qu'il va plus me vendre. Bon, j'ai pris, quand j'ai dit, bon, je peux jouer comme le terrain, curateur. Il y a des matchs, parfois, je jouais comme 6. Et là, je joue dans l'axe. Et je me suis inspiré de certains joueurs par grande taille, comme celui qui est à City, là, l'Argentin, là. Je ne sais pas si c'est Otamendi. Ouais. Otamendi? Un Argentin qui joue à City, je ne sais pas s'il est toujours là. Il n'est pas trop grand de taille. Mais il jouait dans l'axe. Et on demande quelle est Donc, ta je me taille, suis dit. Romain? 1m75. Ça va, 1,75 m, non? T'es plus grand que Mike. 1m75. Ok, et donc Donc, là c'est un maintenant poste dans que je l'axe, cherche c'est aussi à totalement à l'aise. trouver dans ces postes-là. Voilà, je suis normal, à l'aise. J'ai joué deux matchs dans l'axe et on a aussi gagné. J'ai fait aussi des belles performances. En fait, chez moi, Ok. ça ne me dérange pas. Ok. Et les premiers matchs d'Europa League, c'est quand? C'est, je crois, fin juin, non? On va attendre le tirage, en fait. On attend le tirage. Je crois que fin juin. Fin juin. Ok. Et même si c'est les premiers tours, t'es quand même pressé, content de jouer cette compétition, non? C'est la première fois? Connexion. Oh, Marie. Tu m'entends? Romaric, qui bug grave, il sait que je vais l'attaquer bientôt. Ma connexion à Romaric, il moi? bug grave. Ouais, ta connexion, elle bug grave. Je sais pas si tu m'entends, hein, mais tu bugs grave. Alors que là, j'allais me lancer, là maintenant, commencer la bagarre. Comment ça? Entendant un mot sur deux, ton visage il est figé. Là, c'est bon. Je ne comprends pas. Moyen. Moyen, moyen. Sinon, regardez ce qu'on va faire. On va faire le système D. Sire, trouve-moi rapidement une photo de Romaric. S'il te plaît. On Là, va c'est faire bon. 6. Ouais, là, ça va. Ouais, on parlait de l'Europa League, tu m'entends? Ok, on va faire système D. Sir ou Tito, rapidement une photo de Romaric. Là, c'est bon. Bof, je sais ce qu'on va faire, Romaric, t'inquiète. T'inquiète. C'est pire que la connexion entre ma Fumbi, je crois. Hein. Même quand on fait des Là, c'est FaceTime, bon. Romaric, c'est toujours celui qui bug. C'est toujours Romaric qui bug. Yes.
Romaric, je vais t'appeler, je vais te mettre en haut-parleur. On va finir l'interview comme ça. C'est bon ou pas? On va faire ça. Romaric, tu étais connecté une seconde. Remets la photo, dis. Remets la photo, sire. Romaric, on va finir comme ça, en fait, en haut-parleur. C'est mieux. Ça bug vraiment? De fou malade, laisse tomber. Comment ça? En fait, l'image, elle est figée et le son, il saute, ça grésille, tout ça. On entend un mot sur deux. Que dois-je faire alors? On continue comme ça, on va finir comme ça. On va finir comme ça. Ouais, donc Romaric, on disait l'Europa League. Du coup, moi-même, les histoires de lumière, j'arrête. Tire, monte plus mon visage jusqu'à la fin. Ouais, on disait donc affaire. Romaric, t'es content de jouer la compétition? Parce que c'est la première fois que tu joues une compétition européenne ou pas? Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois. Je suis content. C'est la première fois. Ok. Non, je suis en même temps excité. Ok. Est-ce que c'est une des raisons qui t'a poussé à rester en Géorgie? Ouais, c'est l'une des raisons. C'est Ok. même la raison principale qui m'a poussé à rester ici. Je me suis dit, je me suis battu pour qualifier l'équipe, pourquoi pas rester? Et c'est un peu de continuer l'aventure. Ok. Et en termes de vie, tu te plais en Géorgie ou pas? En termes de vie, oh, ici, il n'y a rien. Je suis à la maison, maison, boulot, maison, boulot. Oh. Ok. Romaric, on va attaquer direct Romaric. En plus, il y a Vini qui nous regarde. Il y a Ismaël qui est en ligne. Romaric, on attaque direct. T'es prêt ou pas, Romaric? Attends, je dois avancer dans la connexion. Ah, quoi Je tu veux? comprends pas comment ça marche. Quoi tu veux? Toi, tu veux réapparaître en live? Ouais, c'est important. Je ne comprends pas comment. Et ta tablette, elle marche pas? J'ai des données mobiles. Romaric. J'ai tout. Que je débloque là. Que je savais des données mobiles ou bien comment. Ouais, essaye les données mobiles. Hein. Si la Wi-Fi ça bug, essaye les données mobiles. Enfin, un dernier essai. Au pire, regarde. Sir Tito, lancez Kofi de Brazza le temps qu'on règle les problèmes techniques. Vous avez. Pauvre Yamouka, venu où le Koffi de Brazza chante les diables rouges. Et que colonel et monsieur le ministre. Général Jean-François Légué. Et vous avez le soutien de tous les peuples congolais. Allez, diable rouge, opposez vos oreilles. Colonel Rémi Ayayos. Vraiment, on a évité quoi? C'est vitesse, c'est bicoco. Joue-moi la guitare. Allez, 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 diable rouge. Allez, allez, allez.
coach Barthélémy Matsuno. Maza Chanzele, Izzy Gigger, Rosen Varele, Bondongo Jupin, Ikuma Eli, OCT Hervé. C'est belle, vraiment. Score, score, n'est-ce vraiment, habitez quoi. Hey, Cyril Longa, coach Narcisse. Allez, allez, allez. Allez, les diables, allez, 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 les diables, on va marquer. On va gagner. On va marquer. Christian, il va gagner. À nous la victoire. On va gagner. Présent. Président de la fédération Kima Yolas, Médard Soudia, Kino Kumba. Ah non, en ce moment, je souffre avec les affaires de direct. Je souffre. Ah, Romaric. Romaric. Faites revenir Romaric. Tu t'en fais revenir Romaric. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que ça bug? C'est comment? Tito aussi, tu bugs. Vous êtes tous en bug. Incroyable. Romaric, c'est bon? C'est à toi de me dire, c'est bon? Ah, et tu sais, heureusement que j'ai un frère parmi les joueurs. Heureusement que j'ai un frère. Il a vu que je me sentais seul, que je galérais avec les histoires de réseau, avec les histoires qu'on galérait. Il est venu nous porter secours. À ton avis, c'est qui? Hein? En disant quoi? À ton avis, qui est venu nous porter secours? Chibouta? Techno, techno. Non. Techno. Prince. La connexion. Voilà pour le bof. Prince, la connexion de Géorgie. Connexion à coup froid. Oh, mais... Ah, c'est pas bon. Non, ah, c'est bon. Non, là, c'est bon. Regarde. On va faire. On va attaquer Romaric. On t'attaque. Dans 15 minutes, on coupe. Pas de problème. En tout cas, Vini, ça fait plaisir de te voir boire de l'eau. Hein. Oh, je prends toujours de l'eau, toi, si j'arrive. Romaric. Vini, bouge tes oreilles. Ouais. On va voir. Toto Nabino.
Bouge tes oreilles, Vini. Romaric. Ouais. Non, j'arrive, s'il te plaît, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Romaric, tu as suivi les derniers matchs de qualification en tant que spectateur, comme nous autres, en tant que spectateur, en tant que supporter. Comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu les matchs là en tant que supporter? T'as vu, il bug? T'as vu, Vini? Ton gars, il bug. Bon, Vini, toi, comment t'as ressenti les matchs en tant que joueur? Quoi? Ouais. Les deux derniers matchs, comment t'as ressenti en tant que joueur? Qui, moi? Ouais. C'est à moi la question ou bien à Romaric? Mais Romaric, il bug. Ah, bon. Ah, Bukente. Là, il parle, hein. Si c'est lui qui parle, il parle, je laisse parler. Romaric, tu m'entends, Romaric? Non, finis le bas, finis, parle. Non, 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 non. C'est à toi. Mais c'est détendu. Hum? Non, mais j'ai rien dit. Tu as dit que ma conscience est de bugger, donc voilà pourquoi. Ah, ok, on va se battre comme ça. En tant que supporter, comment tu as vécu les deux derniers matchs? Les deux derniers matchs. Il y avait, au départ, il y avait un peu le stress. Et je suis venu suivre la deuxième période. Vu que j'étais à l'entraînement. Vous m'entendez bien là? Ah, Romaric! T'es que nous, on a vu ta connexion, et ça, ça fout na kwanga. Connecteur, un coup fort, un coup fort. Vini! T'as vu, à la base, je ne voulais pas t'attaquer. Vini, comment t'as vécu les deux derniers? Attaque-moi. Attaque-moi. Suis... D'ailleurs, t'as un beau maillot. Hein. C'est le maillot de qui, ça? C'est le maillot de Prince Onyango de Capi. Hein. Ah, ok. Vini, comment toi, t'as vécu les deux derniers matchs en tant que joueur? Bon, en tant que joueur, c'était vraiment frustrant. Parce que toi-même, tu sais, l'objectif que moi, je m'étais fixé, c'est pas passé ainsi, donc... Ça nous a tous vraiment frustrés ce match, franchement. Tous les deux matchs, quoi. Déjà, nous les acteurs, nous qui revenons de l'étranger, en temps normal, pour des... je peux attaquer. Bon, si j'attaque les gens ici, peut-être les gens vont aller raconter du n'importe quoi là-bas. Bon, on s'en bat les couilles. On ne peut pas raconter du n'importe quoi, c'est un live. Ça ne ment pas. Ouais, je sais. Donc, du coup, nous les acteurs, ceux qui venons de la diaspora là, déjà, on était surpris par l'organisation, quoi. Déjà, au début, par le changement du staff, du coach qui était avant, on s'était déjà surpris. Et du coup, l'organisation, pour notre arrivée, pour le match, c'était pas vraiment ça. En fait, qu'est-ce qui vous a surpris? C'est le timing du limogeage de Valdo, c'est ça? Ouais, le limogeage de Valdo, le timing. Le timing, c'était pas vraiment ça. Du coup, venir à la veille d'un match et surtout attendre de billets... À l'aéroport, c'était vraiment... Attends d'abord, Vini. Vini. Vini, regarde. Tu connais encore. Prends bien la position. Là, la colère que j'ai de Romaric, là, ça va finir sur toi. Vini. Pas de problème. Vini. Le timing du limogeage de Valdo. Ouais. Vini, t'es un joueur qui a un certain poids dans le vestiaire. T'es un joueur qui est là quand même depuis un moment. Non, un joueur assez aimé du public. En février, d'abord, pourquoi vous n'avez pas soutenu Valdo publiquement quand c'était compliqué alors? Non, moi je vais te couper un peu. Bon, moi j'ai pas le point. Je peux dire moi j'ai pas le point. Si tu as un point, Vini. Non, moi en venant en sélection, je viens comme un joueur, comme un nouveau joueur. Je viens pas pour non que non j'ai un poids. Bon, Vini,
Vini, ok. Sur les deux dernières années, tu as été titulaire combien de fois? Bon, je n'ai pas compté. Hein. Quand même, j'étais titulaire plusieurs fois. Hein. Quasiment tous les matchs, Vini, tu as joué. Tu rates aucun rassemblement. Ouais, mais je rate pas de rassemblement. Mais je suis pas du genre de joueur où dans les vestiaires, il est là en train de parler. Moi, je me fais pétir. Hein. Je me fais pétir. T'es pas petit, t'es grand. Ouais. Donc, c'est ça, Jarvis. Je suis pas encore grand, je suis pas grand. Mais tu sais que t'as un mot à dire dans le vestiaire quand même. T'as un statut, Vini, tu joues tous les matchs. Non, je dis rien, désolé, je dis rien. Là, vraiment, je suis comme ça. Dans les vestiaires, je dis rien. Mais juste, c'est après le match, à la mi-temps contre la Guinée, c'est là où j'ai parlé. Hein. C'est juste okay. Ça. Mais c'était pas trop tard à la mi-temps contre la Guinée? Ouais, c'était, je peux dire que c'était trop tard. Hein. C'était trop tard. Mais je croyais que non, c'est là où je pouvais dire quelque chose. Parce que moi-même, au fond de moi, je me sentais que non. Là, ça va pas. Là, je dois dire quelque chose. Ok. C'est vrai, on va pas rentrer dans les détails de... On va pas rentrer dans les détails de qualification. On va pas rentrer dans les détails d'affaires de Valdo. Organisation. Donc, vous êtes arrivé à la veille du match. Comment ça s'est passé, en fait? Bon, normalement, c'était prévu que tout a été changé. La Ligue française ne donnait plus l'autorisation aux joueurs africains de partir. Et du coup, après deux jours, en tant que non, vous pouvez aller. Et moi, vu que j'étais à Châteauroux, il fallait que je vienne sur Paris pour que je puisse attendre le billet d'avion parce qu'on n'avait pas encore reçu des billets. Et on a reçu les billets à la veille du match le matin à l'aéroport. C'est là où on a reçu les billets. Et on a pris l'avion, on est arrivé, je crois, l'heure, je ne me rappelle plus. Mais on est arrivé un peu tard. Et du coup, même dans l'avion, entre les coéquipiers, on se parlait, on se disait, mais on vient comme ça, on ne s'est pas entraîné. Et si demain, on va nous titulariser, mais ça va être chaud. Moi, par contre, j'ai dit à mes coéquipiers, bon, moi, par contre, jouer comme ça, c'est risqué. C'est risqué. Moi, je ne peux pas jouer un match comme ça parce que je risque même d'avoir des blessures, on ne sait jamais. Parce que c'est toujours bien de s'entraîner à la veille d'un match. Un petit déplacement, ça fait toujours du bien. Et du coup, on s'est arrivé, on est rentré à l'hôtel. Et on a eu. Et vous avez traversé la traversée Kinshasa. Vous êtes arrivé par Kinshasa? Non, direct sur Brazzaville. Oh, ok, parce qu'il y avait une rumeur qui dit que vous étiez arrivé par Kinshasa et que vous avez traversé après en bateau. Non, on n'a pas fait ça. Et du coup, on est arrivé. Et en arrivant là, mais nous, en tant que joueurs, de là où on revient, on s'est dit que non, bon, quand on va arriver comme ça, au moins, soit on va voir le docteur, ou bien soit on va voir un gars du staff technique, venez nous dire que non, comment ça a été le voyage, comment vous vous sentez, tout, bon. Mais dommage, on n'a même pas vu ça. Et du coup, le lendemain, le matin, on demande même aux gars de nous donner des équipements, parce que nous, on a besoin de faire un déclassage avant de jouer un match. C'est très important, surtout quand on a fait un long trajet comme ça. Vraiment, c'est risqué de jouer comme ça. Et du coup, après, il y a eu le briefing. Non, tu es titulaire. Même tes coéquipiers, ils veulent que non, tu sois titulaire. Bon, j'ai fait comment j'étais obligé de jouer. Et me forcer au moins à jouer jusqu'à 70 minutes. Mais je dis toujours Dieu merci parce que je suis sorti sans blessure. Mais bien sûr qu'à la fin, j'avais les crampes partout. Mais Dieu merci, rien de mal s'est produit. Ok, c'est un peu compliqué hein, même pour moi parce que c'était pas préparé, mais d'un point de vue organisationnel, quel reproche en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de l'organisation, dans un premier temps, et après au niveau du jeu, au niveau de l'équipe, pour toi, quelles sont vos erreurs? Parce que c'est vrai qu'on peut accuser la Fédé, on peut accuser le ministère, on peut accuser le Covid. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi 11 bonhommes sur le terrain. Et vous, déjà, d'un point de vue, vous déjà, les joueurs, vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, c'est un point, les gars. Bon, pour nous, les joueurs, je peux dire ce qui n'a pas marché. Bon, bien sûr qu'il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu un classement que tout le monde ne s'attendait pas. Mais les acteurs, c'est nous sur le terrain.
Les acteurs, c'est nous. L'entraîneur peut faire une erreur, mais c'est à nous aussi de le réparer sur le terrain. Donc, on n'a pas su le réparer. Donc, du coup, donc on ne s'est jamais. Bon, peut-être certains se sont mis dans leur tête que non, ah, avec le classement là, ça va pas marcher. Mais au moment qu'on vous voyez, on vous annonce le 11 de départ, à quel moment en fait? Le match, il était à quelle heure, le match de 17h? Le match c'était à 17h. On nous a donné le 11 de départ, je crois, vers 14h30, 15h comme ça. Et là, il n'y a personne qui parle à ce moment-là aussi. Non, il n'y a personne qui parlait. Tout le monde se disait, mais c'est quoi? Donc, juste comme ça, quoi. Mais il y a quoi là? Ok, maintenant je vais te poser une question. Et je vais te poser une question et libre à toi de répondre, Vinir. Vraiment libre à toi. Et je ne te jugerai pas dessus parce que je comprends que tu es encore un jour en activité. Delvin, en parlant du fameux classement, Delvin, il est passé sur RFI, il est passé sur Talent d'Afrique. Et il a eu les propos ici que tout le monde connaît. Est-ce que pour toi, il y a eu ingérence dans la gestion de l'équipe, dans la gestion du match? Est-ce que d'autres personnes, à part l'entraîneur, ont imposé des joueurs? Bon, nous tous les joueurs, on a trouvé un peu le classement un peu louche. Parce que quoi, bon, en voyant le match, Vini, Vini, Vini. Viens, 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 Vini. Vini, viens. Vini, viens. La question. T'es pas obligé de me répondre, Vini. Est-ce que, pour toi, est-ce que tu confirmes ou non les propos de Delvin? Bon, moi, en tant que joueur, moi, je le confirme. Ouais. Moi, les propos que Deva a dit, moi, je le confirme. Donc, Delvin a cocité Tolomolate et Tobakisate. Non, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. C'est ça, non? Pourquoi tu fais la tête comme ça? Il a dit la vérité. Donc, il y a eu ingérence. Ouais. Comprenez mon émotion, hein, j'ai de l'attention. Mettez des cœurs, des likes, des drapeaux. Mettez des cœurs, des likes, des drapeaux, ce que vous voulez. Ok. Ingérence. Et maintenant, tu sais qu'en fait, je suis surpris que tu aies répondu sans langue de bois. Hein. Je t'ai provoqué, mais je ne pensais pas que tu allais me répondre. Ok. Et Pourquoi je veux avoir peur? C'est quelque chose, même à l'œil nu comme ça, tu vois que non, c'est bizarre. Donc, je peux pas avoir peur là-dessus, même pas. Ok, il y a eu ingérence. Et vous, comment vous le vivez, vous? Parce que maintenant, toi, tu évolues à Châteauroux. C'est vrai que c'est compliqué au classement, mais tu évolues dans un club qui est professionnel depuis des années, qui évolue à un niveau, qui évolue à un niveau correct depuis des années. Et quand tu arrives dans des conditions pareilles ou quand tu vis ça, comment toi, tu l'as vécu? Comment tu le vis, toi, en fait? Bon, ça m'a fait. Bon, franchement, ça m'a fait très mal. Sans te mentir, ça m'a fait très mal. Parce que moi, d'habitude, je suis un gars qui aime sourire, je suis toujours cool. Mais je suis arrivé à un niveau dans les vestiaires. Je me suis levé devant les coachs et j'ai tapé sur la table. J'ai dit, mais putain, ça c'est quel désordre qu'on est en train de faire là. Ça c'est quel désordre. Donc, du coup, tout le monde a compris que non, là vraiment, ça va pas. Là, ça va pas. Parce qu'on ne s'attendait même pas à ça. Et quand on écoute des rumeurs que non, on a fait ce genre de classement parce que contre le Sénégal, vous étiez pas, vous n'avez rien fait, tout, tout. Mais putain, on a joué quand même contre le Sénégal. On a joué contre le Sénégal. Et il y a d'autres joueurs qui sont venus à la veille du match. À la veille du match. Quand même si on peut changer d'équipe. Mais il y a quand même certaines têtes.
où tu peux faire comme ça, mais pas changer l'équipe par la façon qu'ils avaient fait là. Moi, aujourd'hui, je suis attaquant. Je n'ai pas accepté de rester sur le banc. Tous les attaquants, ils acceptent de rester sur le banc. Mais, disons, prendre un joueur. Bien sûr qu'on sait que non, je ne peux pas être contre Bivik. C'est un frère. Mais vous l'avez d'abord mis sur le gradé au match contre le Sénégal. Et le prochain match, vous le ramenez titulaire. Mais ça, ce n'est pas le livret. Ça, c'est le livret quand même. En plus, le gars n'a pas, il n'a pas encore joué un match titulaire en équipe nationale du Congo. Il n'a même pas commencé un match. Au moins, mettez-lui au banc, faites-lui rentrer dans des minutes où il peut s'exprimer. C'est comme moi, à mes débuts en équipe nationale, c'était comme ça. Je viens comme ça, je vois, il y a Fodé Doré, il joue. Bon, moi, je sais que non, c'est pour la première fois que je viens. J'attends, même si on me met 5 minutes, je vais jouer. Mais je sais que mon temps va arriver. Mais là, la façon dont ils ont fait ça, c'est comme le livret. Il y avait Ngavula qui était là, il y a Guimbenza qui était là. Mais faire ça, c'est d'une autre part, c'est le livrer quand même. Et Vini, en tout cas, ce que tu dis est assez bien perçu par les gens qui nous suivent. Est-ce que tu as conscience que ça peut avoir des répercussions, tes propos, ça peut avoir aussi des répercussions sur ton avenir en sélection? Bon, moi, mon avenir en sélection, j'arrive. Je fais mon travail. Si il s'agit que je sois là, je vais être là. Si quelqu'un va prendre les propos que je dis aujourd'hui pour que ça puisse me frapper demain, moi, en tout cas, je m'en fous. Hein. Parce que je suis arrivé au pays et la sélection avec certaines choses que je vois là, c'est pas correct. C'est pas vraiment du tout correct. On doit faire des choses normales comme ils sont. Une d'être là, parfois, il y a des classements où parfois, s'il y a un joueur, on va mettre sur le banc, il y a une personne, il va dire non, pourquoi on va lui mettre? Mettez un tel. Ça, c'est pas normal. Et vous sélectionnez parfois des joueurs. Arrivé dans un match, vous dites que non, tel joueur, on ne devait pas le prendre. Mais quand on l'avait pris, vous étiez là. Vous étiez là, vous avez vu la liste. Mais pourquoi vous n'avez pas, depuis que la liste était sortie, pourquoi vous n'avez pas écarté cette joueur? Et le joueur, il est là, mais vous dites encore que non. Mais c'est un tel qui l'a pris. Non. C'est ce genre de choses-là qu'on doit arrêter, d'accuser les autres. Au moment que non, nous tous, on est là, on a fait le truc ensemble, et d'accuser les autres. Et Vini, aujourd'hui, c'était même pas prévu que tu passes. Tu es venu à ma rescousse. Et pourquoi vous n'avez pas défendu Delvin un peu plus tôt? Tu sais quoi, Delvin, c'est un grand frère. Donc lui, il sait plus de choses que nous. Bon, moi, j'ai reçu un message de Delvin. Il m'a carrément dit, Prince, ne dis rien. Que ce soit moi, à d'autres joueurs. Je ne suis pas le seul qui l'a envoyé le message. Il a dit, vous ne dites rien. Parce que quand vous allez dire, ils vont faire quoi? On sait comment les choses, ça se passe au Congo. Ils vont dire, ah, les têtes, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Donc, on doit les bloquer. Donc, laissez-moi, moi-même, je prends le devant, je vais dire. Parce que moi, je connais plein de choses, plus que vous. Donc, moi, aujourd'hui, je ne peux pas tout tourner derrière son dos et je vais venir dire que non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je vais laisser s'exprimer, dire ce qu'il a dans son cœur. C'est pour cela. Mais sinon, on n'est pas laissé les bras croisés, hein, pour ne rien dire. Parce qu'on savait que non, Delvin, il est là, il va tout dire. Ok. Et comment il s'est passé votre retour? Notre retour, déjà, même en repartant là, déjà même au club, on se disait, ah, on était bien classé. Et là, on repart là, même nos coéquipiers, ils vont se moquer de nous. Déjà, il y a un Guinéen que je joue avec lui dans l'équipe. Lui, il est qualifié. Donc, du coup, déjà, ça nous faisait mal. Et je parle pas de ce retour-là encore, je parle d'avant. Les jets qu'on vous avait promis, vous êtes rentré en jet ou pas? Comment ça s'est passé? Ouais, on a pris le jet au Maroc parce qu'on est passé par le Sénégal, Maroc. Après, on a pris le jet par le Maroc parce que si on prenait pas le jet, on devait peut-être avoir peut-être la Fédé allait avoir des soucis ou bien peut-être nous. Donc, c'est obligé qu'on rentre par jet.
Ok. Et vous avez pris le jet au Maroc pour les 2 heures en fer qui restent. Ok. Et est-ce que ton club, il t'a libéré facilement? Bon, mon club, ils voulaient pas du tout, ils voulaient pas du tout me libérer parce que eux, ils disaient que non, si je pars là, je risque de rater le match contre Grenoble. Donc, du coup, malgré tout ça, ils n'étaient pas vraiment du tout d'accord. Et en fin de compte, après, le président lui-même m'a envoyé le message: non, Prince, tu peux maintenant rentrer. Tu peux aller Okay. jouer. Donc, ça, je suis Et moi, parti. j'ai eu une info. J'ai pas eu le temps de la vérifier, mais je vais t'en parler en live. J'ai appris que Itois Béranger et Makiese sont encore coincés au Congo depuis le match. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, Makessé, oui, je les ai eus. Je les ai eus il y a de cela, même pas une semaine. Hein. Mais normalement, je crois, là, ils sont déjà en route. Hein, en route. Ou bien, ils sont déjà arrivés. Hein. Ils n'étaient pas coincés, mais c'est par rapport à leur pays. Il paraît qu'il n'y avait pas, il y avait pas de vol. Il n'y avait pas de vol jusqu'à leur pays, là. Je crois, il y avait un souci, là. C'est pour cela. Mais sinon, ils sont pas coincés à Brazzaville à cause d'autres choses. Donc. Okay. Parce que moi, on me disait que les clubs avaient obligé ces joueurs-là avaient obligé ces joueurs-là à rentrer en jet, que certains membres de la fédération se seraient portés garants et qu'on a refusé le fait qu'ils rentrent par vol régulier. Bon, leur cas, vraiment, moi, je ne suis pas au courant de ça. Leur cas, je ne suis pas vraiment au courant. Je ne sais pas s'ils devaient retourner par jet ou pas, là, je ne sais pas. Ok. Et Mais sinon, je crois là, ils sont rentrés. le fait que les Congolais aient mal vécu, les Congolais ont mal vécu de voir certains joueurs et membres du staff en boîte malgré la défaite, la lourde défaite. Bon, ça fait vraiment mal, Jaris. Ça fait mal. Même moi, j'ai eu à voir certaines images. Mais chacun sait comment il emmène sa vie. Hein. Chacun sait comment il s'emmène la vie. Si se soucie de son pays à certaines choses, on est obligé d'éviter. Parce que ça va donner une mauvaise image. Surtout après une élimination. C'est pas du tout agréable. Mais Vini, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nous tous en tant que Congolais, après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, tu fais partie des leaders, ta parole a un poids, tu as un statut, et même le fait que tu parles comme tu parles aujourd'hui, ça fait de toi un leader, tu es le premier à t'exprimer, tu es le premier à être venu. Vini, est-ce que tu penses que nous, les supporters congolais et les 5 millions de Congolais, est-ce que tu penses qu'on mérite des excuses de la part des joueurs quand même? Non, mais vous devez toujours accepter nos excuses. Parce que si vous nous excusez pas, c'est nous-mêmes là encore, ces mêmes joueurs-là, on va encore venir servir le pays. Donc il Et faudrait pour toujours vous excuser. Mais personne ne s'est excusé. Personne ne se justifie. On n'entend rien. Personne ne parle. Vous ne dites rien. Mais déjà de base, nous les joueurs congolais, on n'aime pas trop être sur les caméras, être là tout le temps à parler. On trouve ça, bon, c'est pas de nous, quoi. C'est pas de nous vraiment. C'est pas notre, je peux dire, c'est pas notre culture. On n'a pas cette tendance que non, si on a commis une erreur, on vient s'excuser. Non, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas vraiment ça. Mais tu sais que, ici, c'est une nouvelle façon de voir le football congolais. J'ai pas compris. Ici, c'est une nouvelle façon de voir le football congolais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un début à tout et que les joueurs attendent au moins que vous des excuses de la part des. Et je sais pas, est-ce que toi tu penses, t'es le premier à t'exprimer, est-ce que toi tu te penses capable, est-ce que tu penses pouvoir t'excuser aujourd'hui au nom de toute l'équipe? Oui, pourquoi pas? Parce que je peux dire, on a fait mal aux Congolais. Donc regarde ce qu'on va faire, Vini. On va te mettre en gros plan pendant 1 minute, on te laisse en gros plan, et quand t'as fini, tu me dis je reviens. Après, on parle encore 5 minutes et on coupe. T'étais pas prévu, et c'est déjà beaucoup ce que tu fais aujourd'hui. Je m'ennuie aussi, je m'ennuie. Sire Tito, mettez-les en gros plan. Non, pas moi, pas moi, pas moi.
Vraiment, à tous les peuples congolais, mes fans, mes frères, mes parents, vraiment, on n'a pas eu ce courage de venir envers vous pour vous demander des excuses. Après cette élimination, on sait que ça vous a fait très mal. Mais on reste toujours vos joueurs. Et vous n'allez pas aussi cesser de nous supporter. Donc, excusez-nous. Nous tous, on voulait cette qualification, mais dommage, on ne l'a pas eu. Mais on doit tourner la page. On doit maintenant regarder de l'avant et voir ce que l'avenir nous réserve. Donc, continuez toujours à nous soutenir. Parce que si vous ne nous soutenez pas, qui d'autre va nous soutenir? Ce n'est pas les Marocains, ce n'est pas les Algériens ou les Français qui vont venir nous soutenir. Hein? Bino bande qu'on a pu savoir congolais. Quel congolais m'a trouvé qu'on soutenait une déconne congolais. Donc, tous à la bonne encore. Les lieux qu'on s'y mette, mais les lieux qu'on s'y mette. Même les vos fingers à bisou, les vos fingers à bisou, on a. Parfois, ça la bisou, et puis ça la bisou, puis force. Et puis ça la bisou, puis force. Donc, au nom de toute l'équipe, de tous mes coéquipiers, aujourd'hui je viens pour demander des excuses. Donc, excusez-nous, on va se battre prochainement pour que cette joie que vous avez eue avant puisse revenir. Formons l'ensemble, c'est la famille. En tout cas, Vini, je tenais à te le dire, hein. T'as aujourd'hui, déjà, tu es quelqu'un que j'estime beaucoup et tu le sais. Toi et moi, on a une relation, elle est même hors foot. Mais aujourd'hui, tu as gagné mon respect et je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à ce que tu me fasses un langage de footballeur, j'allais t'embêter. On passe le temps à raconter nos conneries dans un live. Et peut-être que le fait que la connexion de Romaric est bloquée, ça fait un mal pour un bien. C'est vrai que je suis né grandi en France, mais quand quelqu'un s'excuse de ce que mon père m'a appris, quand on accepte. Moi, en tout cas, pour ma part, j'accepte vos excuses et j'espère vraiment que les choses changeront un jour, que les choses évolueront. On n'est pas là pour indexer qui que ce soit, on n'est pas là pour rabaisser qui que ce soit. Et c'est une très, 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 très belle image du Congo et de toi aussi que tu nous as. En fait, genre, perds mes mots, tu vois, je m'attendais vraiment pas. Tu as fait preuve d'une humilité, je m'attendais pas, tu vois. Donc, encore une fois. Bravo à toi aussi de m'avoir invité. Donc, Sire, Tito, mettez un lien dans les commentaires. Il n'y a pas grand-chose à dire après tout ça. Mettez un lien dans les commentaires. Si quelqu'un veut parler à Vini, je laisse 10 minutes. Donc voilà, Vini. Après Vini, il y a des noms qui circulent. Il y a beaucoup de noms qui circulent pour le... Pour le... Vini, tu as perturbé en fleurs. Il y a beaucoup de noms qui circulent pour le nouveau coach. Est-ce que toi, tu as une préférence? Est-ce que toi... Non, moi j'ai pas de préférence. C'est juste que si on trouve parce qu'il y a plein de il y a plein de coachs qui sont en train de postuler, ils vont voir qui est le meilleur et parmi ces coachs-là, c'est là où ils vont choisir. En tout cas, nous on n'a pas de préférence si c'est Ibenge ou Alain Giresse. C'est pas à nous de décider. Bon, de fin de compte, c'est pas à nous de décider, hein. C'est à la Fédé qui va décider. Ok. Et tu penses vraiment que les choses vont changer? C'est ce qu'on espère, hein. C'est ce que nous tous, les Congolais, on espère que les choses vont changer. Comme ça, on va aller sur la nouvelle base. Ok. Les gens, le lien est là. Qui veut dire quelque chose à Vini? On coupe bientôt.
Hey, Mokoubwa, il est connecté, il se reconnaît, mon vieux. Là, il est rose, 9-4, Mokoubwa. Je connais le roi Lyon, mon vieux. Vini. Ouais. Comment était passé pour Nolan Bemba? Comment ça s'est passé pour Nolan Bemba, la première sélection? Comment tu l'as trouvé? Bon, pour Nolan, tu sais, toujours la première sélection. Quand tu viens, parfois tu es timide, tu vois un peu. Mais sinon, on l'a vu dans les séances, dans les entraînements, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Donc, comme chaque chose a son temps aussi viendra où il pourrait s'exprimer. Mais sinon, c'est un bon joueur. Hey. Bonsoir, Salomon. Salomon, je ne sais pas si tu viens de te connecter, mais Vini, il s'est passé quelque chose. Je t'invite à suivre la rediff du live, mon vieux Salomon. Donc voilà. Continuez vos questions, Vini. Vini, Châteauroux. C'est vrai qu'en Europe, tu as beaucoup Belgique, tu as galéré. Azerbaïdjan, mitigé. Là, tu arrives à Châteauroux, dernier jour du mercato. Tu es à combien de buts là? 4, 5? Non, là, je suis à 4. Tu es à 4 buts? Ton adaptation en Europe, elle a été longue. C'est vrai qu'au classement, c'est dur. Châteauroux, comment ça se passe? Malgré que ça soit dur à vivre au classement, je pense que tu t'épanouis quand même, ça se voit, non? Ouais, bon, franchement, sans vous mentir, vraiment, à Châteauroux, vraiment, je prends vraiment plus du plaisir. Vraiment plus du plaisir. Je me sens vraiment à l'aise dans chaque match que je suis en train de jouer. Je me sens à l'aise. Moi-même, je ressens que non. Quand même, côté foot, je commence quand même à gagner petit à petit, quoi. Vraiment, c'est un championnat, je peux dire que c'est un championnat qui me va très bien. Et surtout que je suis venu dans un club qui m'a bien accueilli. Ils m'ont donné confiance dès le premier jour où ils m'ont vu pendant les séances d'entraînement. Donc, du coup, ce que j'ai à faire, c'est juste donner le meilleur de moi sur le terrain. Et tout le monde me fait confiance jusqu'à maintenant. Donc, ça me va déjà, ça me va. C'est à moi de continuer à travailler. Malgré que le classement n'est pas bien, mais on a une bonne équipe, ça joue bien. Mais dommage qu'on n'a pas cette chance que d'autres équipes, ils ont. OK. Il y a une question de Mike. Ton objectif personnel en termes de but, est-ce que tu t'es fixé un objectif de but? Bon, comme je suis venu... La saison avait déjà commencé, hein. Je suis venu au milieu de la saison. Je me suis mis un objectif. Non, je dois au moins atteindre même, si c'est plus, au moins 10 buts. Au moins arriver jusqu'à 10 buts. Donc là, il reste 4 matchs, je crois. Mais en 4 matchs aussi, tout peut arriver. Hein. Tout peut arriver. Donc, il suffit juste que la blessure... Des doublés, des triplés. Ouais, juste que la blessure qui nous épargne, après... On va voir ce que ça va donner. Chez moi, je vois rien d'impossible. Tout est possible. OK. Est-ce que toi, tu as une préférence pour un coach congolais ou un coach international? Ça, c'est les questions qui... Bon. Bah, moi, je préfère un coach expatrié. Hein. Je préfère un coach expatrié. Parce que on doit dire des choses qui sont réelles. Parce que si on prend un coach local chez nous, on sait déjà comment les choses ça se passent. Donc, c'est mieux d'avoir un coach expatrié qui a travaillé et on va voir ce que ça va donner. Et des coachs du style Bruce Abdoulaye ou Ghislain Tchamas qui ont porté les couleurs des Diables Rouges? Bon, je peux dire, c'est des gens que j'ai pas vraiment vu jouer. Que je connais même, je connais pas, j'écoute juste les noms, mais j'ai pas vu vraiment jouer. Je sais pas comment ils travaillent aussi, donc je peux pas juger leur style, quoi. Donc je les maîtrise pas. Ok. Et coach Ngata, t'as connu un peu? Le coach Ngata, oui, le coach Ngata, je l'ai connu. Je l'ai connu depuis Pierre Lechantre, l'état adjoint de Pierre Lechantre, je l'ai connu depuis là. Je le maîtrise très bien. Ok, ok. On a Daryl. Daryl, c'est toujours lui qui est courageux à venir poser des questions. Daryl,
Faites rentrer Daryl Fisco. Ah, bonsoir, Vini. Moi, non, la Mende. Ouais, mon frère. Ça, c'est les gars du Vogby qui se retrouvent là, c'est le Vogby. Oh, lui, c'était Wendy, lui, je ne l'ai plus. Mais bon, ah, tout ça, la Mende. Ah, tout ça, la Mende. Est-ce que vous voyez. Bonsoir, d'abord, bonsoir. Et. Bonsoir. Bon. Dieu merci que ton ami Jaris, intelligent qu'il est, malin, il t'a poussé à s'excuser parce qu'on devait t'allumer, gars. À mon habitude, on a dans la force. Non, mais dernièrement, quand on a eu l'interview le jour du match, Jaris ici, et moi, perso, je vous ai défendu. Jaris, peut-être, il n'était pas informé, mais moi, j'ai dit, Jaris, tu te rappelles que j'ai dit qu'ils ont, sont partis, ils ont pris le billet à l'aéroport. Oui, ça, ouais. Parce que j'étais avec Durel, j'ai vu, moi-même j'ai vu. Tu vois, je me suis dit, bon, il y a excuse. Donc, ça veut dire que même si, on va pas se mentir, sur le terrain, c'était pas trop ça, bon, on sent qu'il y avait la fatigue et tout ça. Mais si c'était le contraire, ah, gars, on devait vous allumer et puis, il n'y aura rien. Parce que, bon, ça, la rabaisse, il m'a pas si. À un moment, moi, bon, après, moi, je vous fais compte aussi beaucoup, j'arrive aussi peut le dire. Aujourd'hui, vous êtes des jeunes. Voilà, bah, jeunes. Bokende, vraiment, moi, je le dis hein, personnellement, avec j'ai écouté Merveille, Ngavula, Sylvain, et tous ces gens-là, Durel et tout ça, je ne pense pas que Bokende est vraiment sélection par rapport à l'argent. Tu vois, un, c'est par rapport à CV Nabino Pemoizala, qualification à moi, Kane et Baxa, moi, un plus. Parfait. Surtout dans la génération Nabino. Moi, la génération, il y a des joueurs, il y a du. Au fait que c'est l'organisation, en fait. Congola, elle aura démon. Parce que là, Je voulais même informer à Jaris parce que mon téléphone est cassé. Tu sais que apparemment, Vini peut-être n'est pas au courant, apparemment, le ministre que j'ai insulté sur Facebook, tu le sais très bien, moi je ne cache pas, j'ai dit ce que j'ai envie de dire, j'ai publié. L'entraîneur, pareil. C'est peut-être des joueurs que j'ai épargnés. Tu sais, apparemment, on avait donné 30 000 euros, apparemment, pour payer les arbitres. 30 000 euros pour payer les arbitres du Sénégal. Notre match contre le Sénégal. Apparemment, que. Comment on l'appelle ? Vice-président, là. Joe, là. Daryl. Là, moi. Non, Daryl, il y a rien à cacher. Daryl, attends, mais bon, attends. On n'est pas dans des affaires de y a rien à cacher, mais on a un joueur pro en live, on ne sait pas qui nous regarde, Daryl. Vous voyez comment je. C'est pas grave, voilà. Daryl, donc là, tu parles de. Écoute, Daryl. Attends d'abord, on a un joueur en live. Attends, Daryl. On a un joueur en live avec nous. Là, tu parles de corruption, tu parles de trucs, c'est glissant en fait. T'as vu ou pas, Daryl? Donc, pose ta question. Si on va sur ça, je te coupe. Je te dis la vérité, c'est parce que c'est trop dangereux en fait. Si on reste sur des questions. Vini. Okay. Vini. On va parler de ce que Vini vient de dire tout à l'heure. Vini, attends. Vini. Ouais. Regarde là, il y a appel direct WhatsApp en plus de 129. Il y a un grand maître marabout du Bénin qui propose. Ah, laisse-le ça. On va chercher son argent. C'est le comédien. Mais attends, on lit, gros, vous enlevez. Il propose. Non, laisse-le. Magique, valise magique, bague de protection. Lui-même, il n'a qu'à faire ça. Il n'aura pas dit d'avoir sa famille. Faire revenir sans être aimé. Ah ouais, mon corps. On m'a lâché, là, faut que j'aille. N'importe quoi. Donnez-moi le numéro, là. Depuis que je te connais, on te lâche toujours. T'es pas sérieux? J'étais bien. T'étais mon voisin. Je sais pas où. Pose la question, bon. Pose la question. Vini. Quand tout à l'heure, tu as parlé du classement et tout. Est-ce que ça vous arrive entre vous? Je vais parler du gars de la diaspora, entre vous, les jeunes. Vous savez très bien que là, les gars, on a besoin de se qualifier. Entre vous-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression un peu, ça manque un peu la solidarité des Congolais. C'est-à-dire que Vini peut dire non. À mon avis, ah, si on a le but, non, un tel là va peut-être pas appuyer. Peut-être. Ça, c'est ce que moi je pense. La question d'Aril. Oh! J'arrive. La question, j'arrive. Est-ce que ça vous arrive de dire que voilà, ah, les gars, moi, franchement, à ce moment-là, je trouve que c'est un peu nul.
l'autre il n'est pas en forme, faites jouer l'autre. Ou peut-être avec un tel, ça va fonctionner. Bon, sur ta question, je peux dire que on n'a pas de, on n'a pas de, de mots sur ça, quoi. Depuis qu'on est arrivé en sélection, on n'a pas déjà vu ça. Hein. Vu que non, il y a un joueur qui se met debout et dit non. Nous, on fait une réunion ensemble, on dit non, on doit jouer comme ça. Je ne l'ai pas encore vu. Hein. Donc, du coup, commencer à l'aborder, c'est un peu difficile. Donc, ça, là, vraiment, j'ai pas encore vu ça. Et on n'a pas aussi eu encore de ce genre de discussion entre nous. Mais là, après cette défaite-là, vous se posez la question que, voilà, les gars, on doit travailler tous ensemble. On laisse d'abord, comme tu as dit tout à l'heure, on laisse d'abord les coachs, tout ça. Là. On laisse d'abord les coachs. Ce n'est pas des coachs qui jouent. À part si on prend quelqu'un comme Jaris ou Sir, on le met sur le terrain. Là, c'est autre chose. Vous êtes des professionnels, vous êtes des joueurs pros. On laisse d'abord l'histoire du coach. Est-ce que vous pensez que, par mondial, hein, mondial, on sait qu'on ne peut pas. Ça, on ne va pas se mentir, même si c'est peut-être par miracle. Est-ce que vous pensez que peut-être prochaine CAN, on sera là? Soyons sincères. Bon, après le match contre la Guinée, on a eu à faire un meeting, nous tous, entre nous les joueurs, tout le monde il était là, on a eu à parler, on a eu à dire pas mal de choses. Là on est déjà éliminé, donc on peut pas encore revenir sur ça. Là, maintenant, on doit voir le futur. Donc, on s'est dit, nous tous, que non, là, les gars, tout le monde doit rentrer, doit travailler. Parce que là, déjà, on a raté. On doit travailler pour être présent à la prochaine CAN. Mmh. Donc, c'est ça. D'accord. Et ma dernière question serait, j'ai vu, je crois, je me rappelle plus de l'année, j'ai vu l'équipe de la RDC, je vais faire cette comparaison, pourquoi j'ai vu l'équipe de la RDC, je crois que c'était avant la CAN 2015, je ne sais plus, que, en fait, la fédération n'avait pas mis les moyens qu'il fallait. Les joueurs sont organisés. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, là, Jaris, où ils parlaient qu'ils n'étaient pas contents. Qu'ils étaient tous au lit de ne refuser de jouer. Chez nous, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que Bosmo dit que non, il n'y a pas d'organisation. La fédération fait de la merde. Bon, 20 mois, on gagne, mais bon, on a pas professionnel, on a pas locaux. On dit non, là, on ne joue pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça, de dire que oui, là, on ne joue pas. Voilà pourquoi des fois, on vous accuse. Parce que si vous voyez certaines choses, même Dinga qui nous parle aujourd'hui, c'est vrai, mais ça fait un moment. Ça fait un moment qu'il pouvait dénoncer ce genre de trucs, dire que oui, là, franchement, là, on est arrivé sous place, mais on ne joue pas. Tant que les choses ne se font pas comme ça, comme si, on ne joue pas. Mais tu sais, maintenant, chez nous, quand tu te lèves, tu dis quelque chose, même si vous êtes, disons, c'est un groupe, mais celui qui va faire sortir la tête pour exprimer ce mécontentement-là, c'est celui-là qu'on va attaquer. On va dire que non. Donc, c'est lui qui a organisé tout ça. Donc, ça va tomber sur toi. Et du coup, il y a certaines choses. Ils vont essayer de te bloquer. Parfois, tu mérites de venir en sélection, mais on ne t'appelle pas parce que tu as eu à dire telle chose comme ça. Donc, du coup, les gens, maintenant, ils évitent. Ils peuvent, ils veulent dire, mais ils évitent que non. Après, ça soit que non, c'est lui qui a fait ça. C'est un rebelle. Si on comprend, qu'il n'y a pas la solidarité. Il y a trop de hypocrites. Il y a la solidarité, mais c'est entre les têtes, quoi. Non, c'est pas une solidarité. Si par exemple, on a un groupe WhatsApp, ou que nous-mêmes, on sait que c'est nous des joueurs, on a décidé de faire quelque chose. Ou moi, par exemple, toi, Vini, tu dis oui, les gars, oui. Tu penses. Darryl, pour toi, qu'est-ce qui manque pour faire gagner cette équipe? J'ai pas compris. Pour toi, qu'est-ce qui manque pour faire gagner cette équipe? Quelle équipe? Les Diables Rouges. Il n'y a rien qui manque. Bon, moi, juste les deux derniers matchs, là, j'ai eu un peu des difficultés. Parce que quoi? Bon, moi, déjà, depuis que je vais en sélection, j'ai un autre style de jeu.
Tu vois, mon style de jeu en sélection, c'est souvent, on doit alimenter sur les côtés et déposer les ballons dans l'axe. Et dans les deux matchs-là, on n'a pas retrouvé ça. Donc, on s'est retrouvé vraiment en difficulté. Bon, moi, je me suis retrouvé en difficulté parce que je voyais que non, si ça venait, je pourrais faire quelque chose. Je pourrais faire quelque chose. Dommage. Et tout, il est là, hein? Motazan, la connexion, il est là. Non, non, c'est pas ça. J'ai pas compris. Romaric, tu as suivi Vini? J'ai suivi Vini. Ok, et toi, qu'est-ce que tu n'étais pas là? C'est vrai qu'avant qu'on coupe, je tiens à signaler, hein. Sire, tu peux mettre la photo de Romaric, c'est Romaric qu'on a au téléphone. Romaric, toi, qui as suivi aussi ces matchs en tant que spectateur, et tu as suivi les propos de Vini qui s'est excusé auprès de tous les Congolais. Qu'est-ce que tu as, toi, qu'est-ce que tu as à lui dire pour ce geste et qu'est-ce que tu penses de ce geste? Bon, c'est un geste à encourager et à féliciter. Et je suis très content de lui parce que les Congolais étaient vraiment déçus, c'est-à-dire tout le monde était déçu. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à digérer ça. Et voir personne, que ce soit l'entraîneur, que ce soit les membres de la fédération, passer, faire un journal, passer un message, nous sommes désolés. C'est pour eux, pour les supporters, c'est comme un manque de respect. Et voir venir le faire ce soir, c'est vraiment à féliciter. Je suis très content pour lui. Ok, Romaric. Et Romaric, qu'est-ce que tu penses qu'on te reverra un jour? Tu es toujours disponible pour jouer sous les maillots de la sélection. Hein? Tu n'as pas pris ta retraite internationale. Non, Il est encore jeune. Pardon? je suis encore jeune. Ok. Parce qu'on se posait des questions, on ne voyait plus depuis un certain moment. Et comment tu vis cette mise à l'écart? Bon, au début, c'était un peu compliqué, mais là, on s'habitue. Et ça, il y a des moments où tu n'arrives, tu te poses des questions, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Bon, si tu mets ça, si tu mets tout ça dans la tête, tu ne vas pas avancer. Comme on dit souvent en anglais, never give up, c'est-à-dire ne jamais abandonner. Mais dans chaque chose, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que je fais. En fait, ça me motive en plus de travailler dur. Je dis, si on m'appelle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Je dois multiplier des efforts et surtout que je suis dans un championnat peut-être moins connu des Congolais. Donc, avec l'arrivée de l'Europa League, je me dis, peut-être je peux déclencher quelque chose. Jouer l'Europa League, il y aura plus de visibilité. Donc, c'est dans ça que je me lance. Mais sinon, je suis là, j'attends. Est-ce que toi, tu penses que le changement d'entraîneur, là, ça peut jouer en ta faveur ou pas? Le changement de quoi? Le changement de coach? Non, je pense oui, hein. Je pense oui. Vous savez, déjà, quand un coach gagne et il a déjà un groupe dans la tête, c'est difficile de changer ce groupe. Donc, du coup, il a des mêmes joueurs en tête. Comme on dit souvent, on ne change pas l'équipe, il gagne. Donc, il s'agit de faire des ajouts, peut-être deux, trois. Mais l'entraîneur qui va arriver, peut-être qu'on n'est aucun joueur, il va chercher à bâtir un groupe. Et si j'ai la chance, je peux être là. Ok. Et pour toi, quel serait le profil idéal pour entraîner le Congo? Un entraîneur congolais qui a déjà porté les couleurs du Congo, un entraîneur local ou un expatrié? La préférence, elle va où? Parce que c'est le débat du moment, en fait. Ma préférence, c'est vrai que c'est peut-être un peu bizarre, mais ma préférence, je suis basé pour un entraîneur congolais. Pourquoi? Parce que je me dis, aujourd'hui nous sommes dans une période très difficile au pays, et voir un étranger venir, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Dès lors que l'étranger fait genre démission ou bien un problème, c'est le Congo qui paye l'argent, même deux fois le triple.
et l'argent sort de l'État congolais. Et de nos jours, nous savons tous la situation des pays, du pays, avec des retraités, des étudiants, il n'y a pas de bourse. Donc je me dis, si on peut prendre un Congolais, c'est-à-dire des Congolais qui sont sérieux, en fait, moi, je mise plus sur Bruce Ablaï, Ngata et Isaac Ngata. Si les deux peuvent travailler ensemble, voire même avec Tchamaz, c'est une bonne chose. Bon, après, c'est, s'ils peuvent chercher ailleurs, Ibengué, c'est pas aussi mauvais. D'autres coachs, mais mon point de vue à moi, c'est des entraîneurs congolais. Ok. Mais tu ne penses pas que d'office, quand on prend l'exemple que vous donnez, on pense aussi que les entraîneurs congolais seront sous-payés par rapport à un entraîneur étranger? Mais c'est ça. Les entraîneurs congolais seront déjà sous-payés. Ils ne coûtent pas cher. Ils ne vont pas coûter cher comme les entraîneurs étrangers. Et du coup, ça vous permet aussi de ne pas trop dépenser. Après, s'il s'agit de prendre un entraîneur congolais, il doit avoir du sérieux. Ça dit peu importe ce qui va se passer, que ce soit un étranger ou bien un Congolais, mais c'est depuis le haut niveau là. Ils doivent régler certaines choses. Donc pour moi, je pense que le choix d'un entraîneur, ce n'est pas un problème. Il suffit juste de régler ce qui passe de nos dirigeants, au haut de nos dirigeants là. Sinon, des entraîneurs, il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, là, c'est la période câlin, la période bisous. Comme j'ai la chance d'avoir deux joueurs dans mon live ce soir, Romaric, pour toi, que représente Vini Ibarra, le joueur et l'homme? Le joueur. On a déjà eu la chance de partager la même chance. Il ronfle ou pas? Ouais. Il ronfle ou pas, Vini? Tu dis? Vini, il ronfle ou pas? Non, c'est un dormeur de où là? Il ronfle. Mais Vini, je l'ai connu déjà quand j'étais au centre, parce qu'ils sont venus après nous, au centre de Brazzaville. Après notre génération, c'est la génération de Vini, de Ngavula, de. Comment ça s'appelle? Du Ndouki, je pense. Donc, je l'ai déjà connu. Et je parle de Vini, je parle de l'homme. Il est vraiment respectueux. Très respectueux. Il est très humble. Et je crois qu'il aura, il ira de l'avant. S'il garde les pieds sur terre. Okay. Et qu'est-ce que tu penses de sa demi-saison à Châteauroux? Alors, je trouve que c'est pas mal, mais comme il vient de le dire, il s'est fixé, en arrivant à Châteauroux, il s'est fixé des objectifs, c'était d'atteindre 10 buts. Et là, il a 4 buts. Donc, comme rien n'était impossible, peut-être qu'il doit se battre, travailler davantage pour atteindre le maximum 8 buts. S'il n'arrive pas à atteindre 10 buts, maximum 8 buts pour un attaquant, pour une demi-saison, c'est pas mal déjà. Donc, je lui souhaite bonne chance, là il est. Mais ensuite, okay. T'inquiète. Et au fait, pourquoi on t'appelle Techno, Romaric? Pourquoi on t'appelle Techno? Techno, c'est parce que quand la chanson de. Techno Malo était sortie, de Louis Rasson. Ouais. Vu que je suis un fan de Louis Rasson, donc à chaque fois, quel que soit là où j'étais, que ce soit dans le taxi, je ne sais pas, je, même en passant, si j'écoute seulement le son là, je dois danser. Ouais. Et arrivé dans Diable Noir aussi, c'est là qu'ils ont poussé ce nom-là. Ok. Prince. Et Prince, ouais. Vini, Oyebi Kubwana Nyumonanga. Il y a des gens qui peuvent poser des questions, en plus que je suis ça sur YouTube aussi. Ouais, si vous voulez poser des questions à Romaric, allez-y, il vous répond. Vous avez de la chance que Romaric il est venu, moi j'allais couper depuis longtemps en plus. Moi.
Prince. Au début, que bon, Nyongonanga, Prince. Nyonganine. Ah, t'as oublié. Enlevez la photo de Romaric. Enlevez la photo de Romaric. Ah. Alors, dans la liste, il y avait Chibota Mavis, Ibarra Prince Vini, Gamvula Silver, Merveille Ndoki le sorcier. Mafumbi, vous vous étiez engagé à rembourser mon billet en cas d'élimination. Ah, ouais. Ouais. Bon, comme c'est la famille, on va gérer ça inbox. Ouais, ça, on va gérer ça. On va s'appeler. Il y a une question, Romaric. J'ai pourquoi tu n'as pas sélectionné l'équipe nationale? Allô? Ouais, c'est ça la question, ouais. Ouais. Je ne suis plus appelé en équipe nationale, c'est le choix de l'entraîneur, je pense. si je pense que l'entraîneur ne m'appelle pas, c'est que peut-être il a trouvé mieux. Il a un joueur qui peut jouer en ce poste mieux que moi. Donc c'est pas. C'est le choix. Pour être bref, c'est le choix de l'entraîneur. C'est pas de ma volonté. Ok. Prochaine question, s'il y a des questions, les gars. Là, on attaque les câlins. Vini, qu'est-ce que tu penses de Romaric et tout, le joueur? Techno Malewa. Et ça, l'homme. C'est d'abord mon vieux. Hein? Je l'appelle Techno tout en lui respectant. Parce que c'est un vieux qui est sympa. Donc, avec lui, il n'y a pas d'ennui. Donc, comme moi aussi, j'aime trop sourire, donc tout ce qu'il fait, ça me fait rire. Donc, du coup, c'est un vieux vraiment très cool, que je respecte beaucoup. Et je lui souhaite toujours le meilleur. Même si ça me fait mal, parfois, quand je viens, je ne le vois pas. Mais je lui souhaite toujours le meilleur, hein, parce qu'il mérite. Ok. Romaric, je pense que tu vois là en même temps sur YouTube, il y a Joe Brizzi. Ouais. Joe Brizzi, c'est un sorcier de la vue. Un jour, il faut que tu viennes aussi dans les lives, Joe, parce qu'il vient toujours allumer le feu ici. Il y a Romaric. Romaric, apparemment, il y a des bruits que toi, tu parles trop. Tu as trop parlé. Parler sur la fédération, bien sur l'entraîneur, bien. Je sais pas. Hein. Joe Brizzi, si tu peux. Il peut être précis. Hein. Ouais. Salomon, il a dit le problème des deux, c'est qu'aucun n'a joué à Étoile du Congo. Et toi, la fou équipe. Romaric, oui. Est-ce que tu as eu d'autres sollicitations de clubs en Europe? Oui. Moi aussi, je réponds oui. Vas-y, continue. Déjà, quand je... La première saison. Ah, ok. La première saison à Georgie, j'avais 3 sollicitations même. J'avais un club de première division. Un club de première division de Grèce. Le FC Volos. Évoluant en première division de Grèce. Il y avait un club de Chypre de première division qui va peut-être jouer aussi les barrages de l'Europa League cette année. Et il y avait un club de 2-2 en France, Auxerre. Et il y avait aussi des clubs turcs. Et il y avait aussi des clubs turcs. Toi-même, tu es là. Ouais. Les gens passaient même par toi, des clubs turcs. Donc, tout ça avec le problème de cette pandémie, ça a un peu tout foiré, mais c'est en cours encore. Peut-être l'année prochaine, ça va marcher. C'est ça. Après, il faut noter aussi que toi, c'était un peu un cas spécial parce que ton calendrier est décalé et que ton contrat est prenait ouais. Fin au 31 décembre. Oui, c'est ça. Ok. Quelle question? Il y a écrit... Malewa, t'es un joueur exceptionnel de par ta polyvalence. Dis-moi, que penses-tu d'un entraîneur expatrié par rapport à celle d'un local?
déjà, pour moi, je trouve l'influence d'un entraîneur expatrié, c'est que notre dirigeant n'aura pas trop de pouvoir sur lui par rapport à l'entraîneur local. Et comme on dit souvent, des entraîneurs locaux sont un peu manipulables. Et c'est possible de leur faute. Genre, ils savent que non, c'est là qu'ils sont gagnés pas ici. Donc, ce qu'on lui propose, c'est ce qu'il exécute. La preuve, on a tous vu la vidéo de l'entraîneur Gatuno. Il a dit qu'il y avait certains choix qui ne venaient pas de lui. Donc, je trouve qu'un entraîneur expatrié, que ce soit congolais ou bien étranger, je trouve que c'est le bon choix. Ok. Ok. Là, c'est l'avant-dernière question. De Mike. Lequel des deux va lui dédicacer son prochain but? Pourquoi? C'est Vini. Vini, tu dédicaces ton prochain but à Iron Mike alors? Non, moi, Vini marquera. Je joue samedi. Je marque et je dédicace Mike. Ok. Oh. Ok, Mike, t'as entendu ou pas? Romaric et tout, t'as promis un but samedi. Donc voilà. Mot de la fin. Pour qui le mot de la fin? Bon d'accord, le plus jeune d'abord. Vini, mot de la... Le plus jeune, c'est Ibarra. C'est Ibarra, après Romaric, mot de la fin. Romaric, dès que tu finis, tu dis ciao et on se casse. Ouais, attends, bah... hein. Ibarra. Ouais. J'arrive. Ouais. Tu vois Ibarra. Il kiffe l'argent. On dit de l'argent là, c'est lui. Même à 3h, il se remet pour compter l'argent. Regarde. Ah mais Romaric, tu vois, pourquoi tu dis toujours cœur sans zen? Non mais parce que son cœur. En fait, c'est ma signature en fait. Ok, mais tu dis ça comme ça. Ouais, non, je dis ça parce que dans la vie, en fait, c'est ma signature, genre que. Je fais ma vie selon moi. C'est-à-dire pas de jalousie, pas de problème avec des gens, pas de trucs là. Donc c'est pour ça que j'ai du cœur sans haine. Ok. Et ouais. Romaric, toi, pour avoir tes maillots, c'est compliqué. Hein. Ah, faut qu'on règle ce problème. C'est pas compliqué. Moi, tu m'avais dit fin de saison. Là, on demande en live. Je peux t'envoyer ça si tu veux. Merci. T'en vois combien? Deux? Parfait. La tête, c'est quoi? XL? Je porte M. Ouais. M, là, pour les spectateurs. Moi, tu connais le nombre de X, là. On va discuter de ça après. Moi, tu connais. Moi, c'est double XL, papa. Bingazor. Le seul maillot pro qui me va, c'est celui de Vini. Ok, ça marche alors. Ok. Tu t'en... Ne fais pas comme le petit Prestige, hein, s'il te plaît, parce que Prestige... C'est un gaou. Mais Thibauté où? Thibauté. Je sais pas, ma vie, s'il est caché. Caro, elle a bloqué ma vie, sans dire. Ok. Mot de la fin. Ibarra, Montalé Larambongo. Non, c'est faux, ça. Blague, hein. Mais toi aussi t'aimes la maille, hein. Il y a Sankara qui te cherche avec ma vie. Mais bref, on va parler de ça après aussi. Prince. Ouais. Bon, je vais m'exprimer un peu en Lingala, on sait pas exprimer en français. Bon, maintenant le banani, d'abord merci Jaris, de m'avoir invité Ngaï. Tara Gayoa frère. Ramotaka. Donc on s'appelle vraiment. Et surtout merci Naba. Naba internaute, ma fan, Nabiso va participer dans la live, Nabiso vraiment, et ça a le plaisir. Donc, comme on dit d'habitude, Njama abatte la biso tout. Donc, tout le monde a mon bon colombo sous. Ok. Romaric,
encore. Le mot de la fin. Ouais, encore toi, tu passes jamais dans les lives. Incroyable. Non. En tout cas, attends, moi je vais couper. Demain, il y a votre live du vendredi, comme d'habitude. Tito, sors de ta chambre. Va faire pipi vite. Toi, tu fais pipi au lit. Voilà. Sors de ta chambre. Bon, Cyril est dans une position, laisse tomber. Reste dans ta chambre. Reste. Oui, oui, fais bien des signes. Dis foin aussi, je te mets en ligne tout de suite. Foin. On a l'occasion de voir les réactions de toute la chaîne de mail. Vous ne pouvez pas voir, il était allongé. Dès que j'ai dit ça, il a couru, il a mis son téléphone. Ouais. Donc, Tito, vends ton live de vendredi. Demain, vous allez faire quoi? Oui. Vous allez faire quoi? Vas-y, tu as une minute. On a un régulier des lives du vendredi, hein, Vini Barra, qui est tout le temps là les vendredis, sauf quand il a les fêtes. Il joue le vendredi déjà, c'est faux. Non, il ne joue plus les vendredis, c'est maintenant les samedis, non? Il joue okay. Samedi, lundi, le prochain match c'est lundi, mais si je me trompe. Voilà. Et voilà, donc, comme vous savez, un vendredi, on vous attend à 22h demain avec toute l'équipe de Foot Media. C'est quoi le menu demain? Ah, voilà, justement, j'en arrive. Demain, on va parler de la liste des entraîneurs. Voilà, vous pouvez venir nous. Il faut bien trier la liste des entraîneurs, hein, parce qu'il y en a qu'on peut éliminer direct en direct, là. Ouais. Les Caterons, il entraîneur à Zamalek, il ne va pas se venir se faire chier au Congo. C'est faux. Oui. Gatono, c'est faux. Il y a qui encore? Il y a beaucoup de. José Anigo, c'est faux. Justement, c'est l'occasion. Il y a l'entraîneur de Dunkerque, donc il va laisser Dunkerque pour aller au Congo. C'est faux. Il y a... Thierry Henry, c'est faux. Hervé Renard, il gagne 8 millions en Arabie Saoudite. C'est faux. Il y a trop de choses fausses, donc c'est l'occasion de parler tous ensemble demain. Donc voilà. Et voilà, préparez vos petites shortlists des entraîneurs que vous voyez favoris, enfin, que vous aimeriez voir. On va en parler demain. Vini, si tu as des entraîneurs, tu nous écris. On va en parler demain. Il a trop parlé aujourd'hui, je suis l'avocat de Vini. Lui, il me doit des buts, là. Il reste un but à marquer, il ne veut pas marquer depuis là, il n'arrive pas à marquer. Il manque encore 6 et il reste 4 matchs, papa. On est dans d'autres problèmes. Moi, je lui ai dit 5, mais. Moi, j'ai dit 6. Encore 2. Je pense qu'il va marquer 2 buts. Je m'engage aujourd'hui. Si je mens, Dieu me punit. Voilà. Parole du Pébrésien. Non, de Jaris. L'idée en avant tout. Allez, au lit, Tito. À demain. Demain, c'est un live. Pour moi, demain, c'est le repos. Romaric, on m'a demandé pour toi un mot de la fin, un en français et un en Kituba. Je commence par quoi? C'est toi le boss. Ouais, je commence en Kituba. Ah, mais... Attends, en Kituba. Bon. En Kituba, ok. Je me lance. Papa, merci. Attends. Mais quand c'est avec Thibauta, tu parles beaucoup, hein. Non. On parle à Lingala. Bon, attends, en Kituba. On a avec Lingi. Dans la vieille, c'est vrai que c'était prévu Mouloud dans la live, mais même on vient d'avoir un problème en connexion, il y a mes SIMV, donc mettez PC en jour à 4 ans. Vraiment, ma tourne mine, ça va me soutenir bientôt. Ma tourne mine, ça va me soutenir bientôt. Et bien garder toujours, il faut un an, parce qu'un jour, même si Bet V, par Yingé Kui, par Lingé Kui, ça m'a dit ma bête, qui peut toujours sourire dans le Congo. Donc, merci, Ming. Moi, je connais qu'une phrase en Kituba, c'est Sam Samoura qui l'a appris, et ça résume tout. Mangamu nu kwe na wapi. Venez dans le Bibia, non? Lingala. Et dans le Bibia, la Kituba, non? Non, raté. Et Vini et Romaric, il y a des gens aussi, Skeno, le tribal, il demande en Gangoulou. Là, vous vous débrouillez avec ça, parce que personne ne peut rien faire pour vous. Tu parles Gangoulou, Romaric? Non, j'entends.
Mais je ne parle pas. Vini? Ok. Bon, ben, le mot de la fin, c'est à demain. Enfin, non, demain, c'est Tito aussi recommande. Moi, je repars dans ma cachette. J'ai fait trop de dégâts déjà cette semaine, là, les lives, là. Trop de dégâts. Je retourne dans ma tanière. Il y aura des grosses surprises la semaine prochaine. Donc, voilà. Après, il y en a qui veulent se cacher. Il y en a qui veulent se cacher, allonger, caler, mais moi aussi, je sais contrôler. Donc voilà, moi, je vous laisse. On se dit à demain. Merci à tous d'être venus. Merci encore une fois à Vini pour tes excuses. Merci à Romaric qui, malgré la connexion, elle est compliquée. Merci d'avoir tenu le live à la fin. Merci à Skeno d'être là. Merci à Mike. Merci à Tito. Merci à Cyr. Merci à Delph. Merci à Ethan Meya, merci à Joe Brizzi, il y a qui commente activement. Merci à Daryl le fou qui veut nous mettre tous dans des problèmes. Merci à... J'ai vu Léger au Sebi. Ah, demain, il va rentrer dans le live, Léger au Sebi. Toujours des trucs compliqués, Léger au Sebi. J'ai vu qui ? J'ai vu Dre. J'ai vu Dre. Merci Juf qui nous suit. Merci Monsieur Nsaï. Quel Baudry tu veux voir ? Dis-moi quel Baudry. Depuis tout à l'heure, je te vois décrire Baudry. Dis-moi quel Baudry tu veux. Dis-moi lequel. Marvin Baudry. Marvin. Ouais, ouais. Je pense. Ouais, après, Marvin, il est réservé. Hein. Moi, je l'ai déjà approché une ou deux fois. Là, les jeux, là, lui aussi, c'est comme Romaric, qu'il n'aime pas. Non, aujourd'hui, j'étais disponible, non ? Ouais. Non, pas disponible. Disposé. Disposé. OK. Ouais. T'es toujours dispo, mais t'aimes pas trop t'exprimer. Merci, welcome, Mbungu. Merci, bah, précise Mbungu le Gaou. Il y a qui encore qu'on peut remercier ce soir qui est connecté? Bref, les dédicaces, elles sont terminées. Baudry, merci Marvin. Ouais, merci à Salomon. Salomon, il a beaucoup fait. Et il continuera à faire. Il est très humble. C'est peut-être ça aussi qui te vaut, les manquements de respect, mon vieux. On est dans un pays où on aime les gens qui ont la gueule, qui ont la bouche. On respecte. Un bon vieux. Motomoko, bien. Bien. Ouais, bon. Bonsoir à Doha. Bonsoir à mes amis de Doha. Bonsoir à Roissy. Marvin Baudry. Au fait aussi, j'ai oublié de vous dire, si vous avez des invités, n'hésitez pas à les convoquer. Hein. Vous écrivez dans les commentaires, vous les harcelez. Et après, ils veulent venir. Et après aussi, les invités, c'est pas forcément des pros. Hein, même si tu joues à Melun en 15e division. En 7e, en 8e, tant que tu tapes le ballon, là, t'es diable de rouge, tu vas nous raconter tes réalités de footballeur pendant le Covid, footballeur amateur pendant le Covid. Donc, oui, si t'as de la chance, Vini va t'offrir des crampons. Venez vous connecter. Donc, voilà, on va pas tirer en longueur. Nous, on va se coucher. Ciao. Ciao.